Comment fonctionne réellement notre mémoire? La mode du moment est de la comparer à un ordinateur avec un fond d'image imprimé une fois pour toutes et tenu en permanence à sa disposition. Cette analogie ne m'emballe pas. Certes, le cerveau humain aime l'ordre et le classement. On pourrait dire que nous convertissons nos expériences en idées ou abstractions afin de les ranger sous des classifications générales. Je crois que cette capacité est fondamentale à notre intelligence. Mais ce n'est pas tout. Il faut que nous puissions reconvertir ces abstractions en quelque chose de concret. Bien entendu, nous sommes capables de rappeler le souvenir sensoriel, mais je ne crois pas qu'il soit stocké intact, inébranlable, inaltérable depuis toujours. Je pense plutôt que nous le recréons en quelque sorte et que le présent laisse toujours sa marque sur l'impression que nous avons du passé. Je crois que nous réinterprétons constamment nos souvenirs à la lumière de nouvelles expériences. J'aimerais avancer l'hypothèse que l'acte de se souvenir ne consiste pas en la consultation pure et simple d'informations préalablement enregistrées. C'est à la fois moins et beaucoup plus que cela. C'est un acte créatif. Nous ne sommes pas des bibliothécaires, nous sommes des écrivains. Le souvenir est une fonction de l'imagination.